la reprise pour le GT4 European Series powered by Rafa Racing Club. Oula, GT4 Europe, le GT4 Europe, la GT4 European Series, vous l'appelez comme vous voulez, c'est en tout cas le championnat GT4 le plus relevé assurément de la planète. Il suffit de voir une fois encore la liste des engagés de cette édition absolument superbe 2024. 49 voitures présentes, 10 marques au total sur la grille de départ avec pas mal de nouveautés. On aura l'occasion d'en reparler avec vous évidemment. 11 Porsche, on va retrouver 8 Aston Martin, 8 BMW, 5 Toyota, 4 McLaren, 3 Alpine, 3 Audi, 3 Mercedes AMG, 2 Ford, c'est une nouveauté, et 2 Lotus, c'est une nouveauté également. Voilà donc ce que l'on va vous proposer dans quelques instants, ce qui sera assurément un grand rendez-vous. Les courses de GT4 Europe, traditionnellement, nous ont valu énormément de spectacles au cours des années précédentes. Elles nous ont permis de révéler de jeunes talents que l'on a retrouvés ensuite, notamment en GT3 ou dans d'autres séries. Et on a des jeunes, on a des pilotes professionnels, on a de vrais amateurs, des amateurs très éclairés. C'est ce que l'on va voir donc en piste pour une course de 60 minutes, 1 heure. Arrêt au stand obligatoire entre la 25e et la 35e minute de course. Et à l'image, vous avez Enzo Julier ici en discussion avec William Watté, membre de la direction de course. On a Antonia qui est un peu plus loin là-bas à l'arrière et qui se chargera des interviews dans quelques instants. Enzo Julier, champion de France FFSA GT en Silver Cup l'an dernier, qui roule désormais avec les Français, mais roule avec le drapeau d'Andorre, hein, si je m'abuse. Enzo, donc comme certains d'ailleurs, et il fait équipe avec Étienne Chély, dont on reparlera, fils de l'ex-pilote Eric, dont on vous disait ce matin qu'il avait notamment été vice-champion de France de Formule 3, mais il a aussi participé au Grand Prix de Monaco de Formule 3, au Grand Prix de Macao de Formule 3 à l'époque. Il a évolué en Formule 3000. Bref, c'est vraiment un pilote qui avait un très très beau palmarès et un beau parcours en monoplace. Son fils a commencé un peu plus tard, mais il avait brillé, il s'est révélé notamment dans le cadre de Feed Racing, du volant Feed Racing. On va retrouver Antonia Rankin sur la grille de départ. Right. Pole position for first race of the season. That's never the worst, is it? Yeah, for sure. C'est bien pour commencer, nothing bad. I think we cannot do nothing mal, best. Forcément. On n'aurait pas pu faire mieux. Well, super happy to be here, back très, très for the first race of the season. De retour pour cette première série de la saison et puis être en pole. Amazing, so c'est juste fantastique. I'm looking forward to it. What's your strategy going to be for making sure you maintain this lead? Quelle sera la stratégie pour être sûr de rester en tête? No strategy, I mean, we will try to be focused and to lead all the race. Concentré, de mener toute la course. I mean, that's it. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus de stratégie que ça. Thank you. Et on lui souhaite évidemment beaucoup de chance. Enzo Julier, on l'a dit, champion de France l'an dernier. Il avait été vice-champion en GT4 Europe il y a 2 ans avec la Mercedes du NM Racing. C'est un tout jeune pilote, Enzo Julier. Il n'a pas encore 20 ans. Il les fêtera au mois de mai prochain. Et on a eu l'occasion de se rendre compte à quel point c'est un pilote qui mériterait sa place en GT3. Je pense qu'il finira d'ailleurs par l'avoir. Je ne peux pas imaginer qu'un talent comme Enzo Julier ne se retrouve pas un jour au volant d'une GT3 dans le cadre d'un bon programme. En attendant, il accumule de l'expérience, il accumule des kilomètres en GT4. Il se montre encore et toujours et c'est pole position sur la Toyota GR Supra GT4 de l'équipe Matmut Evolution. On est évidemment la preuve. Enzo Julier qui partira donc en pole avec à ses côtés une McLaren Artura, celle de Josh Ratigan, le numéro 78 d'Elite Motorsport with Entire Race Engineering. C'est le nom exact de l'équipe. On se contentera d'Elite Motorsport si vous voulez bien. Donc pour la 78 que l'on a là à l'image, Josh Ratigan, jeune pilote britannique donc, qui en est à sa deuxième saison. On l'avait déjà vu l'an dernier, Josh Ratigan, dans le cadre du GT4 Europe, jeune britannique. Lui, il vient de fêter ses 20 ans, membre notamment de BRDC Rising Star, c'est-à-dire l'association en quelque sorte qui soutient les jeunes pilotes britanniques. Voilà probablement un pilote aussi que l'on retrouvera à l'avenir dans le cadre des compétitions GT3, en tout cas qui mériterait de l'être, et on va le suivre. Donc aussi Josh Ratigan, Toyota face à McLaren pour la première ligne de la grille départ. Deuxième ligne de la grille départ avec une Aston Martin Vantage, la numéro 99, le jeune allemand Hugo Sass qui fait équipe avec le jeune autrichien Raphaël Rennhofer que l'on va retrouver à côté de lui, tout juste 17 ans et qui a été une des révélations de la séance qualificative numéro 2. Et puis Stanislav Safronov, on l'a à l'image d'ailleurs sur la voiture du Mirage Racing. C'est l'une des nouvelles Aston Martin Vantage, donc de
l'équipe Mirage Racing, la numéro 7. C'est aussi la pole position d'ailleurs pour Stanislav Safronov dans le cadre de la catégorie Pro Am. En troisième ligne, on va retrouver Benjamin Larich, il est avec Antonia. So starting a little bit further back today, what are you going to do to make sure you're ending up near the front? Vous allez partir troisième, qu'est-ce que vous allez faire pour arriver devant? Yeah, sorry, my English is very bad, so I need to... today is the race day. Aujourd'hui, c'est vraiment la course. On the qualifying, you have the on a deux vitesses. On avait la vitesse en qualif, on avait la vitesse en essai libre. Je croise les doigts pour qu'on puisse être rapide avec les pneus durant toute la course. Ce sera une longue course. Et je ne sais pas comment les pneus vont gérer, nous dit Robert Consani, qui est là. C'était donc l'équipier de Benjamin Larich. Benjamin Larich qui a signé le sixième meilleur chrono. C'est Luc Ibanez qui partira juste à côté de lui, cinquième, que l'on a là, d'ailleurs à l'image, le jeune pilote catalan, le protégé depuis quelques années maintenant du NM Racing. À l'époque déjà où le NM Racing engageait des Ginetta, Luc Ibanez en faisait partie. C'était en 2018, si ma mémoire est bonne. Et puis en 2020, il avait avec Javier Loveras décroché le titre de vice-champion. Alors pas Luc Ibanez parce qu'il avait manqué une course à cause du Covid. Il avait été vice-champion avec Enzo Joulier en 2022 de la catégorie Silver. L'Ibanez qui court encore et toujours après un premier titre. Lui aussi, hein, ne parvient pas pour le moment à faire le pas vers le GT3, mais ça devrait pouvoir se profiler un jour ou l'autre pour l'Ibanez, dont la pointe de vitesse, en tout cas, ne fait aucun doute. Là aussi, un jeune pilote à suivre comme beaucoup. Ruben Delsart, pilote néerlandais. Et regardez, on voit l'aileron arrière, notamment, c'est l'ancienne génération de la Aston Martin Vantage, c'est la version AMR GT4, celle-là. Donc l'aileron est un peu différent, on voit sur la nouvelle, l'aileron est un peu arrondi sur l'arrière, notamment la face avant aussi est différente au niveau des feux, voilà comment on les distingue. En termes de performance, en tout cas, on a vu que les Aston, la numéro 99, qui est donc l'une des voitures engagées par l'équipe ProSport et qui est une ancienne génération, et la numéro 7, qui est une nouvelle génération, sont côte à côte sur la deuxième ligne de la grille départ, donc il ne devrait pas y avoir énormément de différence en termes de rythme, en tout cas pour l'instant, entre ces deux Aston Martin Vantage. Voilà la voiture de la pole. Elle avait gagné cette voiture ici l'an dernier, c'était au mois de juin évidemment, dans le cadre des 1000 km du circuit Paul Ricard. Elle avait gagné avec c'était déjà Étienne Chély qui était l'un des pilotes, et c'était le Belge Antoine Petit qui avait terminé la course en pneus slick sur une piste totalement détrompée. Ici on reforme donc, Étienne Chély reforme le duo qu'il formait l'an dernier en championnat de France avec Enzo Joulier. C'est un duo gagnant, je vous le rappelle, ils avaient été champions de France FFSAGT en Silver Cup l'an dernier, et ils espèrent maintenant aller chercher une couronne européenne assurée en deux années de suite, donc le championnat français, le titre français, et puis dans la foulée le titre européen. Évidemment, ça c'est le rêve de tous les pilotes. Du côté de la catégorie AM, puisqu'on aura trois classes hein, dans ce très beau plateau de 49 voitures, on aura les Pro AM, c'est facile, c'est un pilote professionnel, c'est un pilote amateur, ils se partagent la voiture. Le Pro sera au départ le pilote amateur classé bronze, disputera la deuxième partie de la course. On a les Silver Cup, ce sont deux pilotes semi-professionnels ou de jeunes professionnels. On peut le voir par exemple avec Étienne Chély et Enzo Joulier qui sont engagés en Silver. On a pas mal de très jeunes pilotes très talentueux dans ce GT4 Europe. Et puis on a la AM Cup avec deux pilotes amateurs. Et là, ce sont les Français qui ont dominé les essais qualificatifs avec la pole position de Pascal Hutto sur l'Alpine numéro 55 Schumacher CLRT pour l'ex-champion de France de la AM Cup. Il a devancé Florent Grisot sur l'Aston numéro 72, engagé par une équipe française d'ailleurs, GPR Racing. Et attention, on a l'une des BMW qui semble être en difficulté. Je me demande, c'est pas la numéro 70 non, c'est pas la 70. Attendez, laissez-moi vérifier de face. C'est la 317 peut-être de Chazelle Technology Corse. Oui, c'est la 317 de Grégory Guilvert et d'Anthony Debarne. Grégory Guilvert qui avait été champion d'Europe Pro-Am l'an dernier avec l'équipe Saint-Éloc. Et on sait qu'il y a quelques membres de cette équipe qui nous écoutent pour le moment. Ça va partir pour le tour de formation, mais ça ne partira pas pour Grégory Guilvert, qui malheureusement pour cette BMW de l'équipe Chazelle Technology Course semble rencontrer un souci. Et on va
va partir un tour de formation, un tour pour mettre les pneus en température. Ça nous permet de parcourir ensemble la grille de départ en pole position. On l'a dit, Enzo Joulier à ses côtés, Josh Ratikan, Hugo Sass et Stanislas Safronov avec deux Aston en deuxième ligne, troisième ligne pour Luc Ibanez et Benjamin Lariche, la quatrième pour Ruben Delsart et pour l'Allemand Erolind Nureddini, ancien pilote du championnat de France de Formule 4. Ruben Delsart, donc lui, on le voit aussi en passage GT. Puis le reste avec Nelson Ponchatici, le Français 9e, Thomas Hemson en 10e position, Oscar Christensen et Finn Zulov, 6e ligne, 7e ligne pour Denis Bulatov et Cameron Lorenz. Benjamin Lecen, le pilote belge, ancien champion de France, partira depuis la 8e ligne avec Gabriela Gilkova, 3e du championnat de France 3 l'an dernier, un équipage 100% féminin pour la numéro 66 de Matmut Evolution, puisqu'on aura Gabriela Gilkova et Cindy Hudet, la sextuple championne de France de la montagne, spécialiste donc de la course de côte. Voilà, dominé le championnat, en tout cas la compétition réservée aux féminines, Cindy Hudet, ou pilote féminine, Cindy Hudet qui découvre le GT4 Europe. On l'avait vu en rallye l'an dernier dans l'Opel Adam e-Rally Cup, donc avec des voitures électriques. On l'a vu sur la glace du trophée Andros. Elle élargit de plus en plus son panel désormais. Et oui, le reste de la grille de départ. Une mention, on salue notre collègue, confrère Adrien Pavio qui partira en 39e position avec l'Audi 4e de la catégorie AM, l'Audi de l'équipe Speedcar, Adrien Pavio et Nicolas Markevitch. Et regardez cette belle grille de départ, on a eu l'occasion d'en parler, et malheureusement pour Florian Boucher, il partira lui depuis la 49e et dernière position, annulation de tous les chronos de Florian Brichet pour avoir trop souvent dépassé les limites de la piste, si j'ai bien compris. Dans quelques instants donc, le départ, 60 minutes, vous avez remarqué qu'il y a la chicane qui a été redessinée entre temps et qui est donc utilisée pour les concurrents du GT4 Europe, ce qui n'est pas le cas pour les fanatiques GT. C'est une opportunité de dépasser évidemment à cet endroit. Ça vient un peu casser cette longue ligne droite du Mistral, longue de plus de 1800 mètres. On a vu entre temps que la BMW Chazelle Technology Course avait été poussée dans son stand. Et pour Grégory Gilbert, le triple champion de France Pro-Am et double champion d'Europe Pro-Am. Malheureusement pour lui, je crains que ça commence bien bien mal cette saison, et c'est pour l'équipe de Louis Chazelle aussi qui n'est pas verni sur ce coup-là, qui engagera une BMW et aussi une Alpine avec l'ancien champion et le champion en titre en fait de l'Alpine Elf Europa Cup, le Belge Lorenz Lesertu à 17 ans qui fait équipe avec Jean-Mathieu Léandri, le triple champion de Corse dernier, qui a sa troisième saison en circuit. On avait déjà vu à l'époque Jean-Mathieu Léandri l'an dernier en fait déjà sur une Alpine d'ailleurs de l'équipe Chazelle Technology Course. Le temps de se placer évidemment 49, hein, 48 puisqu'il nous manque la BMW. Voiture de la catégorie GT4 dans quelques instants. Pour une première course, il y en aura 12 au total. Le circuit Paul Ricard pour ouvrir la saison. On ira ensuite à Misano avec la Sprint Cup du Fanatec GT. Le GT4 Europe se produira en prologue des Crossrack 24 heures de Spa et de l'édition du centenaire Hockenheim, Monza et Jeddah sur le circuit du Grand Prix d'Arabie Saoudite seront les trois rendez-vous de la deuxième partie de saison. 6 fois 2, 12 courses au total. C'est ce que l'on attend et c'est ce que l'on vivra. Et allons-y pour les premières tensions, évidemment. Le premier départ, celui qu'il ne faut pas rater, surtout quand on est en pole. Enzo Joulier commence à avoir beaucoup d'expérience désormais pour ce genre de situation. Ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'il s'élance en pole. Et lorsque les feux s'éteignent, on sera parti. Voilà qui est fait avec une sorte de course de dragster entre la Toyota et la McLaren. Excellent départ d'Enzo Joulier. Très bon départ également derrière du Gossas qui pourrait aller chercher la
deuxième position avec l'Aston Martin Vantage Orange de l'équipe Pro Sport. Et ça ne passera pas, attention, avec des pilotes qui ont coupé largement au niveau du premier virage et qui coupent. Et un incident derrière, on a vu Josh Ratikan notamment qui a coupé le virage numéro 2 dans le S de la Verri, le pilote de la McLaren Artura qui va rendre peut-être sa position. Est-ce que c'est ce qu'il vient de faire? Oui, je pense qu'il a rendu la position. Regardez ces images de drone superbes vues d'en haut. Non, ce n'est pas un jeu vidéo. C'est la première course du GT4 Europe. Et pour la première fois, la ligne droite du Mistral. Mais avec ces chicanes nord qui doit être utilisé, évidemment. Josh Ratikan qui a repris la deuxième position face à Hugo Sass. Et on vous emmène à bord de la voiture numéro 12. C'est l'une des BMW de Borusan Automotive Motorsport. Drapeau jaune au niveau du premier virage. On est assez prudent pour le premier passage à la chicane. C'est peut-être pas plus mal. On est toujours en drapeau vert pour l'instant. Et j'espère qu'on ne va pas devoir neutraliser la course après le passage de cette chicane. Oui, on a ceci dit. Quand je vois le rythme. Oh, et c'est la numéro 33, l'Alpine. Eh bien, décidément, Chazelle, technologie course. Mais quel début de saison catastrophique. L'Alpine numéro 33 de Lorenz Lecertua qui s'est retrouvé impliqué dans un accrochage là dans le premier passage du S de la Verri. Et j'ai bien l'impression, même si on n'a rien sur nos écrans. Oui, oui, voilà, safety car, on n'avait rien sur l'écran, mais le rythme affiché par les pilotes le confirme, effectivement. On n'est plus en rythme de course, on avait bien vu que certains n'étaient plus du tout à l'attaque. Safety car, neutralisation, donc, suite à cet accrochage au niveau du premier virage et à l'abandon, notamment, de Lorenz Lecertua qui a perdu une roue. Et regardez, la roue de l'Alpine A110 GT4 Evo. Engagé par Chazelle Technology Course, une équipe qui est présente avec l'Alpine d'ailleurs dans toutes les disciplines, puisqu'on la retrouve en Alpine Cup, en Alpine, enfin en Championnat de France avec l'Alpine GT4, en Championnat de France et en Championnat d'Europe. Et on la retrouve également avec l'Alpine Rally, l'Alpine A110 Rally RGT. On voit ici Raphaël Martinez. Qui se retrouve et qui participera à la deuxième partie de la course, évidemment, qui se retrouve dans le championnat GT4 Europe, dont il est partenaire d'ailleurs, le GT4 European Series powered by Rafa Racing Club. Et on est à bord avec la numéro 12, Borusan Automotive Motorsport, donc, qui est la voiture de Berke Bessler, sur laquelle on retrouvera un peu plus tard Gabriele Piana, le champion d'Europe en titre de la Silver Cup. Il avait été champion avec une BMW l'an dernier. Alors, j'espère qu'on va revoir voilà, la voiture aux couleurs du Rafa Racing Club d'ailleurs. J'espère qu'on va revoir ce qu'il s'est passé au moment du départ. Alors, qui sont les voitures? Il y a Florian Brichet qui apparemment est arrêté. Lorenz Lecertua, Benjamin Le Seine également sur la BMW. Décidément, les deux pilotes belges, Benjamin Le Seine et Lorenz Lecertua. Voilà, on voit l'Alpine qui était sorti très tôt de sa ligne, hein, ceci dit. J'espère pour lui que ce n'était pas un départ anticipé. Il y a Benjamin Le Seine sur la BMW d'Espace Bienvenue qui est à côté. On les voit arriver dans le premier virage. Et là, il y a une touchette avec... Oh oui, mais en fait, c'est une touchette entre la BMW et l'une des McLaren Elite qui vient percuter l'Alpine de Lorenz Lecertua. Donc, touchette, on va peut-être revoir ici depuis... ça se passe juste à gauche, là, d'ailleurs. Regardez bien, on a la BMW, on a la 77 qui est l'une des McLaren et celle qui, je pense, va venir percuter... On est trop à l'arrière, mais ça oblige, en tout cas... pilote de la 812, ici John Lancaster, équipier de Raphaël Martinez, qui a dû, l'ancien champion de l'Européen de Le Mans Series, qui a dû tirer tout droit au niveau du S de la Verri. C'est derrière, évidemment, que ça s'est passé avec ce contact. Et si j'ai bien vu, c'est donc un contact entre Benjamin Le Seine et la 77, qui est la McLaren Artura, pilotée par Thomas Hemson,
qui, en partant en perdition, elle-même est venue percuter l'Alpine de Lorenz Ezertua, qui sur ce coup-là ne me semblait pas être vraiment fautif. Mais quand on a 49 voitures qui veulent toutes rentrer dans le même entonnoir, en quelque sorte, que constitue ce S de la Verrerie, forcément, ce n'est pas simple. Safety car in this lap, ça veut dire que dans quelques instants, la course va reprendre ses droits. Sous la conduite d'Enzo Julier, Josh Ratican derrière lui, Hugo Sass en troisième position. On retrouve ensuite avec l'Aston du Mirage Racing, Stanislav Safronov, 4e, Lucky Banes sur la Mercedes numéro 15 du NM Racing et 5e. Et du côté de la catégorie AM, Pascal Hutto en tête devant Florent Grisot. 3e position AM pour Andy Cantu, le pilote américain de l'équipe NM Racing sur la numéro 16. On repart maintenant. La suite de cette épreuve à un rythme normal, 54 minutes. Bravo aux commissaires de piste qui auront pu rapidement remettre la piste en état et, afin que l'on puisse relancer la course. Et un qui était impatient de relancer la course, c'est notamment Benjamin Lariche que l'on voit ici à l'attaque derrière Denis Bulatov. Lutte pour la 8e position entre ceux-là pour le moment. Regardez derrière Harold Nureddini, un pilote que l'on avait vu dans le championnat de France de Formule 4 dans le passé et qui passe ici en GT4 donc. Et on remercie vous qui nous suivez sur le chat YouTube. Apparemment, les discussions sont animées. Merci. Avec une des questions, combien pèse une roue comme celle de l'Alpine, ouais, je crois qu'on doit être entre 15 et 20 kilos dans ces eaux-là. Pour nous, c'est assez impressionnant déjà de voir le poids de ce type de roue. Une question qui vient nickel dans le chat YouTube. Merci de nous suivre évidemment sur ce chat YouTube GT Ball dans la mesure du possible. Quand on a vos questions, on essaiera de répondre, c'est promis. Enzo Julier, Josh Ratican aux deux premières places. John Lancaster, là, qui est au cœur du peloton, il est en lutte avec Gabriela Žilková qui avait terminé la pilote tchèque 3e. L'an dernier de la catégorie prom en championnat de France avec Lucille Cipriano. Lucille Cipriano qui est donc remplacée pour cette campagne européenne par Cindy Gudet qui vient, on le disait, du championnat de France de la montagne, qui est débutante presque en circuit, en tout cas ce type de compétition aussi chaud là dans le peloton avec Julien Brichet au coude à coude, le pilote français. Coup à coude avec Émile Scarra sur la Toyota numéro 90 qui est l'une des voitures du Toyota Gazoo Racing Sweden. Julien Brichet, la carrière et la durée de la carrière, les résultats aussi, vraiment un spécialiste des voitures de touring, de la traction, multiple champion des coupes Peugeot, de la Peugeot 308 Racing Cup, ancien vice-champion d'Europe TCR. Julien Brichet qui en GT4. Bon, il a peu le temps aussi, hein, il faut dire, il gère l'équipe GSB et c'est passé pour Benjamin Lariche entre-temps sur Denis Bulatov. Denis Bulatov qui semble plus à l'aise dans cette partie 2, un peu plus technique. Alors que Benjamin Lariche a pu prendre l'avantage en direction du S de la Verrerie. Il est donc passé 8e, ils ne sont pas dans la même catégorie ces deux-là, donc ils ne doivent pas trop se gêner. On rappelle que l'attribution des points ne tient pas compte du classement général, mais du classement par classe. Donc les concurrents Silver Cup et Pro-Am Cup n'ont pas trop intérêt à se gêner, autrement dit. Il en va de même évidemment pour les concurrents Am Cup, mais quand ils luttent les uns contre les autres, attention avec l'Alpine là qui vient de loin, celle de Nelson Panciatici à l'attaque sur Ruben Delsart, l'Alpine de Code Racing Développement dans les couleurs très officielles, Alpine d'ailleurs numéro 36 pour Nelson Panciatici, lui-même ancien champion de l'European Le Mans Series avec Alpine à l'époque du retour d'Alpine en LMP2, c'était avec un châssis Oreca, mais c'était le retour de la marque malgré tout. Il est passé, superbe performance de Nelson Panciatici, la réplique peut-être de Ruben Delsart, non, parce que Nelson Panciatici vient fermer la porte avant le double droit du bossé. Benjamin Lariche en a profité pour se rapprocher, on a Denis Bulatov qui est là à l'intérieur également, les esprits s'échauffent quelque peu, on est en lutte là-bas entre la 6e, 7e, 8e et 9e position.
Nelson Panciatici qui se place bien au milieu de la piste pour défendre sa place. Ruben Del Sarre sur l'ancienne Aston Martin Vantage, ancienne génération de la Vantage GT4. Il est à l'attaque derrière Nelson Panciatici qui a donc pu prendre le meilleur au prix d'un superbe freinage au niveau de la chicane. Crevaison également pour la Ford Mustang numéro 62 de Matt Nicol Jones. L'une des nouveautés cette année, la Ford Mustang qui débarque en GT3 et en GT4. En GT4, elle est engagée par l'équipe Academy Motorsport et il semblerait qu'il y ait une crevaison. Voilà, elle repart d'ailleurs à l'instant, cette voiture numéro 62 depuis la voie des stands. Marque représentée, regardez cette superbe lutte avec des Alpine face à des Aston, des Audi, des Mercedes, des Porsche. On a des marques que l'on voit moins sur la route comme McLaren ou Lotus également. Toyota avec la GR Supra. 10 marques et une balance de performance qui vient équilibrer les chances entre tout le monde. Et on a vu des écarts extrêmement réduits une fois de plus lors des essais et qui permet vraiment d'apprécier comme il se doit cette compétition, ce GT4 Europe, plus que jamais un vivier de jeunes talents et aussi un terrain de jeu où les gentlemen drivers peuvent vraiment s'épanouir en allant chercher une concurrence pour le moins affûtée. Et regardez quand on voit un pilote comme John Lancaster, quand on connaît le palmarès, John Lancaster qui vient de se faire déborder par Gabriela Žilková d'ailleurs, qui est passé à l'intérieur avec la Toyota GR Supra GT4 de Matmut Evolution, la 66. Et la Žilková qui a fait l'intérieur à John Lancaster pour aller chercher la 12e place. Et du côté de la catégorie Pro-Am, ces deux concurrents sont engagés en Pro-Am. Gabriela Žilková est passée 4e devant John Lancaster, l'équipier de Rafael Martinez. Attention à Ruben Del Sarre qui va essayer de faire l'intérieur dans le double droite du bossé. Nelson Panciatici qui doit laisser une petite place. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs très bien pour éviter l'incident. Derrière, Benjamin Lariche se verrait bien profiter de la bagarre entre l'Alpine et l'Aston pour les surprendre. Ça va être intéressant de voir comment Benjamin Lariche va sortir du dernier virage. Vice-champion du GT4 Europe l'an dernier. Benjamin Lariche, on l'a dit, hein, mais on pouvait avoir quelques regrets du côté de l'équipe Speedcart dont le rythme a été présent tout au long de l'année. Il avait terminé 7e l'année d'avant. Bien, les habitués clairement de ce championnat, mais l'année d'avant ils avaient notamment manqué le meeting d'ouverture à Imola suite à un incident. C'est chaud là entre Ruben Del Sarre et Benjamin Lariche qui parvient à fermer la porte. Et l'objectif c'est clairement le titre européen avec cette équipe Speedcart dirigée par Pascal Destembert. Maintenant, on va pouvoir attaquer à son tour peut-être l'Aston de Ruben Del Sarre. On commence à avoir évidemment le poids de l'expérience, de la continuité du côté de Robert Cansagny et de Benjamin Lariche qui sont habitués, qui roulent ensemble depuis 2010. 7 ou 18 même dans le cadre du championnat FFSAJT et toujours au sein du Team Speedcar et pour la troisième année sur cette Audi R8 LMS GT4 que l'équipe de Pascal Destembert commence à vraiment bien connaître évidemment. Elle avait terminé troisième du FFSAJT en silver d'ailleurs en 2020 aussi et vice-champion d'Europe GT4 l'an dernier. Ça reste une des plus belles lignes évidemment de leur palmarès pour l'instant. À suivre. En tout cas, cette Audi, c'est sûr, elle fait partie des favoris, tout comme le sont d'ailleurs Enzo Juliet et Etienne Chély avec la Toyota numéro 9 de Matmut Evolution. 1,4 seconde d'avance pour Etienne Juliet sur Josh Ratikan et la McLaren numéro 78. Pas mal de Français, d'équipes et de pilotes français dans ce GT4 Europe. Il est vrai que le fait que les équipes puissent disputer un double programme France-Europe, notamment, permet pour les équipes
d'amortir les coups quelque part. Et pour les pilotes qui veulent rouler beaucoup et qui ont l'occasion de rouler beaucoup, évidemment, c'est mieux de partir sur un double programme. Ça permet d'avoir 12 week-ends de course au total et de rester davantage dans le rythme. Avec quelques circuits communs, comme le circuit Paul Ricard, qui figure à la fois au calendrier du GT4 Europe et du championnat de France FFSA GT. Ce sera le cas également pour le circuit de Spa-Francorchamps, avec pour le championnat français une apparition dans le cadre de la Speed Week, une semaine avant les Crossrike 24 heures de Spa. Et pour le GT4 Europe, ils se produiront directement juste avant les Crossrike 24 heures de Spa, journée ultime qui s'annonce, on ne peut plus populaire évidemment, édition du centenaire des Crossrike 24 heures de Spa. Attention à la lutte là devant et la très belle attaque de la Porsche numéro 30 de Finzulov qui est passé. Regardez Gabriela Žilková qui en profite aussi, superbe, hein, ces images de drone qui nous permettent d'ailleurs de le voir. Gabriela Žilková, donc Finzulov est passé devant Harold Nureddini et Gabriela Žilková sur la Toyota Matmut Evolution est passé directement dans la foulée également. Belle manœuvre pour la Porsche WNS Motorsport numéro 30. On est à bord avec John Lancaster derrière. L'Aston numéro 82 de Matteo Villagomez qui est passé devant John Lancaster. Il continue de perdre des positions, le Britannique, pour l'instant. Et Finzulov qui a pu profiter, alors j'ai envie de dire de la pointe de vitesse de la Porsche, mais là où il l'a dépassé, c'était même pas en l'occurrence, grâce à la pointe de vitesse, puisque c'était au freinage du virage de l'hôtel. Très très belle manœuvre pour Finzulov, l'Allemand, 19 ans, l'un des jeunes, encore un. Du côté de la catégorie Silver, vraiment énormément de pilotes qui ont moins de 20 ans et qui sont là pour se faire remarquer. Ce GT4 Europe devant servir clairement de rampe de lancement pour la suite. Les performances en GT4 Europe ou en GT4 tout court d'ailleurs. On a vu Charles Clark qui avait terminé vice-champion du British GT en GT4 et qui a rejoint les rangs de Come to You avec une Aston Martin GT3. Qui disputera sa première course dans le cadre du Fanatec GT World Challenge Europe. Demain, course de 3 heures. On lui souhaite en tout cas. Alors, vous avez vu, et on a une question qui nous vient du chat. Merci à Théo qui nous la relaye d'ailleurs. Pourquoi y a-t-il sur le pare-brise des numéros de couleurs différents ? Les numéros de couleurs, en fait, indiquent la position et la couleur dépend de la catégorie. Chiffre blanc pour les voitures engagées en Silver Cup, chiffre bleu pour les voitures engagées en Pro-Am, chiffre rouge pour les voitures engagées en Am. Donc vous allez le voir ici, le numéro 1 qui clignote pour marquer le leadership d'Enzo Joulier, c'est une voiture engagée en Silver Cup. La verte, chiffre vert pour indiquer les voitures en Pro-Am, contrairement à ce qui est indiqué sur notre écran à nous d'ailleurs. Et chiffre rouge pour la catégorie Am Cup. Donc chiffre vert, ce sont les voitures engagées en Pro-Am. Et on voit Benjamin Lariche là, qui revient sur Nelson Panciatici. Ils sont 6e et 7e. Attention de bien gérer les pneus. Attention de bien gérer. Également les limites de la piste avec des avertissements d'ailleurs qui tombent. Des avertissements pour non-respect des limites de la piste. Notamment les voitures numéro 5, 98 entre autres, la 5 Mirage Racing de Ruben Delsart, 98 de Victor Bouvin, la 46, la 36 également qui reçoivent, donc Antoine Leclerc apparemment aurait reçu un avertissement également, la 46 de Julien Brichet. Attention au respect des limites de la piste. Denis Bulatov pour revenir sur Nelson Panciatici. On est un petit peu en retrait avec ce groupe-là à partir de la 6e position. Ils ont 5 secondes de retard sur le groupe de tête, toujours emmené par Enzo Joulier, avec une seconde 9 d'avance désormais sur Josh Ratikan. Hugo Sass est à 2 secondes 3. Stanislav Safronov, leader en Pro-Am et 4e du général, est à
3 secondes 4, Luc Ibanez à 4 secondes, et puis on retrouve Nelson Panciatici qui emmène donc le groupe de chasse avec 9 secondes de retard par rapport au leader. Trajectoire différente, on le voit ici dans la descente. Nelson Panciatici qui est mis sous pression pour le moment. Par la chicane, le freinage, et ça va passer cette fois pour Benjamin Lariche. Ah, on le sentait venir évidemment. Benjamin Lariche qui s'empare là de la sixième position aux dépens de Nelson Panciatici. Attention, Nelson Panciatici qui a reçu un final warning pour les limites de la piste. Se montrer particulièrement prudent donc, comme son équipier d'ailleurs, on trouvera après au volant de l'Alpine numéro 36 qui sera Antoine Leclerc, un peu le pilote maison de cette équipe Code Racing Développement. C'est Panciatici qu'on avait vu aussi, on vous a dit ancien champion LMS, mais on l'avait vu aussi en TCR Europe à l'époque, donc dans les courses pour voitures de tourisme. Ah, il a eu une carrière en proto, enfin en monoplace tout d'abord, en proto, en voiture de tourisme, en GT4 désormais. Et entre-temps, Luc Ibanez est passé devant Stanislav Safronov. Changement pour la quatrième position avec la Mercedes du NM Racing, dont on sait que traditionnellement, l'un des points forts de cette Mercedes, c'est de pouvoir bien gérer les pneumatiques. Denis Bulatov, lui, attaque Ruben Delsart et il passe devant la Mercedes de cet ex-pilote. Il roule avec une licence allemande maintenant, qu'on avait vu avec des Mercedes GT3 au sein de l'équipe Akodis ASP il y a quelques années. Qui est donc en GT4 désormais avec cette Mercedes du Eastside Motorsport. La réplique peut-être de Ruben Delsart. Qui vient vers la chicane, il a déboîté, il a bien pris l'aspiration. Ruben Delsart qui va freiner un peu plus tard, qui reprend peut-être l'avantage. Denis Bulatov qui essaye de tenir sur la ligne extérieure. Est-ce qu'il va pouvoir rester là, le pilote de la Mercedes? Oui, il le fait, c'est superbe la défense de Denis Bulatov à cet endroit. Il perd du temps par rapport aux pilotes qui sont devant, mais il reste devant Denis Bulatov. Nouvelle attaque de Ruben Delsart, il est à l'intérieur avant d'aborder la courbe de Signes. Et regardez derrière, Gabriela Žitková est en train de revenir. C'est le cas également de Finn Zülhoff, le jeune pilote allemand, qui reviennent tous les deux. Et Ruben Delsart est donc repassé devant. Superbe passe d'armes dans le double droit du bossé. Est-ce qu'il peut revenir à l'intérieur? Non, parce que Ruben Delsart est bien resté à l'intérieur pour être sûr, justement, de ne pas se faire voler la trajectoire intérieure. Et regardez, Finn Zülhoff est pratiquement revenu. Denis Bulatov qui s'énerve un peu en se disant « Écoute, mon ami, on n'est pas dans la même catégorie. Moi, je suis en pro-am et toi, tu es dans la catégorie Silver et j'aimerais bien passer devant parce que derrière, Finn Zülhoff, avec la Porsche qui revient, lui, il est en pro-am. Ils sont d'ailleurs deuxième et troisième en pro-am. Une catégorie dominée pour le moment par Stanislav Safronov. Jeu de trajectoire croisée de nouveau et trajectoire différente sur le virage du pont, le dernier virage. Finn Zülhoff est totalement revenu. Attention à la vitesse de pointe de la Porsche. Qui pourrait permettre assez rapidement à Finn Zülhoff d'aller attaquer peut-être Denis Bulatov. Ce n'est clairement pas le point fort de la Mercedes, la vitesse de pointe, contrairement à celui de la Porsche normalement. Toutes ces voitures qui sont régies par la balance de performance avec des formes, et c'est le principe de cette balance de performance, c'est d'équilibrer les chances sur un tour avec des voitures qui vont être plus à l'aise à un endroit, et on va avoir, on a un incident on va
avoir une pénalité de 5 secondes pour la 812 pour avoir quitté la piste avec un avantage. Pénalité également pour la 30. Donc les voitures numéro 30 et 812 vont recevoir une pénalité. Attention, parce que la 30, c'est celle de Finn Zulov, dont on parlait il y a quelques instants. La Porsche et la 812, c'est celle de John Lancaster. Ils ont quitté la piste avec un avantage et ils vont donc avoir 5 secondes de pénalité lors du prochain pit stop. Enzo Joly toujours en tête avec 2 secondes d'avance sur Josh Ratikan. Et on a une pénalité pour apparemment Nelson Ponchatici. J'imagine 5 secondes aussi. Et pour ceux qui nous suivent de nouveau sur le chat, et on a pas mal de jeunes pilotes qui, ou en tout cas jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais des pilotes qui nous viennent du jeu Assetto Corsa Competizione, ACC, qui est donc le jeu officiel des compétitions SRO avec les catégories GT2, GT3, GT4. On a une question qui nous vient: quelle est la meilleure voiture en GT4? Mais ça, c'est une très bonne question. Normalement, avec la balance de performance, l'objectif, c'est justement que toutes ces voitures soient à des niveaux vraiment très similaires et selon les caractéristiques de l'un ou l'autre circuit. On a parfois une voiture qui va être un peu plus à l'aise sur un type de tracé ou un peu plus sur un autre, mais sur l'ensemble de l'année, la balance de performance équilibre l'échange entre tous. C'est bien l'objectif, justement, et c'est ce qui fait la beauté de ces courses de GT, puisque vous commencez à vous y intéresser peut-être en venant des jeux vidéo. Et bien, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on a des batailles à tous les instants, on a des super voitures avec des philosophies différentes. Regardez ici ce match entre une BMW M4 GT4 et une Alpine A110 GT4 Evo, deux voitures de conception complètement différentes. Moteur à l'avant pour la BMW, moteur en position centrale arrière pour l'Alpine. Des poids différents, des empattements différents, des philosophies différentes, des aérodynamiques différentes, des tailles différentes. Et regardez, ces deux voitures sont pourtant en train de se battre pour notre plus grand plaisir. On vient d'avoir la numéro 70, qui est celle de Rick Boothorn, la BMW de l'équipe autrichienne Razoon X Automotive Racing. Et puis derrière, on a l'Alpine qui est en tête de la catégorie AM, qui est la voiture pilotée pour le moment par le français Pascal Hutto. Oui, il n'est pas encore rentré, hein, Pascal Hutto. On a le retour de Berkevesto dans la Valestand. Et puis le retour, regardez, la 77. On vous avait dit qu'il y avait eu un contact au départ avec Benjamin Le Sen. Je pense que c'est cette voiture-là qui, en partant en tête à queue, est venue percuter l'Alpine de Laurent Lesertua. Si j'ai bien analysé la situation, il faudrait le revoir sous d'autres angles, mais c'était une collision en chaîne et qui avait provoqué, on l'a vu malheureusement, le bris de suspension et même un peu plus, puisque la roue était partie sur l'Alpine A110 GT4 Evo de l'équipe Chazelle Technologies Course, l'équipe du Belge d'origine espagnole, Lorenz Sertois, donc, qui a été contrainte à l'abandon, alors qu'on a là un équipage qu'il faudra assurément surveiller dans la catégorie Pro-Am. L'abandon de la Lotus Emira du Mikey Racing de Jordan Carriage et de Steven Lake, qui est rentré dans la voie des stands. Tout comme la BMW d'ailleurs de Benjamin Le Sen et de Ricardo Van Deren, la BMW de l'Espace Bienvenue, l'équipe d'André Grammatico. L'Espace Bienvenue, spécialiste BMW à Royan. Et on signale que l'incident entre les voitures 5 et 36, il n'y aura pas d'action supplémentaire. Josh Ratikan, Gossas, Lucky Banez, c'est toujours pour le moment, ce sont toujours les 4 premiers. On est bien dans la fenêtre de pit stop, vous l'aviez remarqué évidemment, changement de pilote obligatoire, on ne ravitaille pas, on ne change pas de pneu dans le cadre du GT4 Europe, on garde avec la même voiture, simplement un temps minimum entre l'entrée et la sortie des stands.
78 et la 22. Donc la 22 qui a déjà effectué son arrêt obligatoire, la Porsche du Allied Racing, avec Caroline Nureddini qui a été remplacée par Léo Pichler. La 78, elle, pilotée par Josh Radikan. C'est le cap de la Mikox, 29 minutes 45 encore avant le drapeau d'Amiens. Enzo Joulier qui doit gérer et préserver les pneumatiques aussi pour son équipier Étienne Chély. 2 secondes 3 d'avance pour Enzo Joulier sur Josh Radikan. Hugo Sass est rentré entre temps avec l'Aston Martin Vantage, la numéro 99. C'était lors du tour précédent et donc Lucky Banez a récupéré la 3e position. Non, il est dans la pit lane, pardon, Hugo Sass, il y est encore pour le moment. Stanislav Safronov qui gagne une place également. Il faut monter sur les vibreurs avec John Lancaster. Également posé dans le chat YouTube. Nous avons dit Marc, mais il n'y a plus de Chevrolet Camaro. Celle du V8 Racing que l'on voyait l'an dernier qui n'est plus présente. La voiture qui a été pilotée par Dante Rapan chez Kenny Romans pour l'équipe néerlandaise. Et on nous signale l'abandon aussi de la 90, qui est donc la voiture du Toyota Gazoo Racing Sweden avec Emil Skaras et Hans Holmlund, qui évoluait en GT4 Scandinavia l'an dernier. Championnat qui est en pause pour le moment et on a pas mal de concurrents scandinaves qui rejoignent donc le plateau du GT4 Europe. De Joliet, 2 secondes 3. Est-ce qu'il va rentrer maintenant? 2 secondes 3 d'avance. Il peut repartir pour un dernier tour. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Que fait Josh Radikan? Il repart pour un tour également. Non, il rentre. Il rentre tous les deux d'ailleurs. Enzo Joulier est rentré, Josh Radikan également. Lucky Banez aussi. Est-ce qu'on a un concurrent qui voudrait et qui pourrait repartir pour un tour supplémentaire du côté des hommes de tête? Stanislav Safronov va rentrer. Benjamin Lariche rentre également. Denis Bulatov. Denis Bulatov est rentré, Finn Zulofrand, bref, tout le monde rentre maintenant. La voiture numéro 55 qui est sous enquête pour le temps de pit stop. Attention, c'est la voiture qui était en tête avec Pascal Hutto et Laurent Hurgon, la voiture qui était en tête de la catégorie A, mais de la AM Cup donc, où on aurait effectué un pit stop trop rapide. Il y a un temps minimum d'arrêt entre l'entrée et la sortie de la voie des stands et apparemment on n'aurait pas respecté ce temps du côté de Laurent Hurgon et Pascal Hutto. Temps de 88 secondes si je me souviens bien. Autrement dit, 1 minute 28. Et si on n'a pas respecté le temps, et si ça se confirme malheureusement que du côté de l'équipe Schumacher-CLRT, on n'a pas respecté le temps, on pourrait avoir quelques craintes quant à une éventuelle pénalité. On repart maintenant. Alors, on a la numéro, on a l'une des voitures de l'équipe du Team Speedcar, c'était la numéro 444 de Philippe Tellamy et Julien Ripert que l'on vient de voir. Elle est engagée dans la classe AM, voiture qui avait déjà effectué son pit stop mais qui est plus loin dans le classement. Et puis on a ceux qui reviennent et ceux qui vont repartir maintenant avec Robert Consani directement à l'attaque. D'ailleurs, Robert Consani sur Lucas Mayer, l'équipier de Denis Bulatov. On la reconnaît bien évidemment, cette Audi du Team Speedcar. Robert Consani qui est reparti devant l'Aston Martin Mirage Racing, la numéro 55 que vous voyez là à l'image, noire, la voiture de l'équipe dirigée
par Guillaume Bruot et il va se faire attaquer directement. Robert Consani qui évolue pratiquement à domicile pour le moment. Et quand il évolue ici sur son circuit, Paul Ricard. Champion. Bien sûr, on en parlait, hein, on vous parlait de Benjamin Lariche, on peut associer le même palmarès à une exception près, pardon, c'est que Robert Consani, avant de rouler en circuit, c'était un spécialiste du rallye. Il avait notamment été pilote officiel Renault dans le cadre du championnat d'Europe. Et il avait été vice-champion Pro-Am. Donc en 2017, je vous disais, effectivement, ils étaient déjà associés. Hein, Robert Consani et Benjamin Lariche, vice-champion de la catégorie Pro-Am. On a plusieurs pit stops sous enquête. Celui de la 55, qui est la voiture Schumacher CLRT de Laurent Hurgon et de Pascal Huteau. Et celui de la numéro 39 également, qui est donc la voiture GPA Racing de Baudouin de Toux et de Roberto Faria, le pilote brésilien. Deux équipes françaises donc là qui sont placées sous enquête pour le temps de pit stop. Et on a aussi la 66 et la 812 sous enquête pour avoir dépassé sur la partie bleue au moment du départ. Et donc pour avoir quitté en quelque sorte les limites de la piste au moment du départ. Après les pit stops, eh bien, la McLaren numéro 78, Josh Ratikan a cédé le volant à Thomas Lebon qui avait à un moment récupéré la tête, mais c'était de manière artificielle après l'arrêt de la Toyota. C'est bien Étienne Chély qui a relayé Enzo Joulier qui est en tête, donc on a les mêmes positions en fait. La Toyota numéro 9 qui est engagée par l'équipe Matmut Evolution, 3 secondes 9 devant Thomas Lebon sur la McLaren numéro 78. Troisième position pour le jeune pilote autrichien, 17 ans seulement, Raphaël Rennhofer, qui est troisième avec la numéro 99, qui est l'une des voitures de l'Aston Martin Pro Sport. Qui est relié, lui, Luc Ibanez. Et donc, 4e, 5e place pour Alexander Weintraub. On revient avec la numéro 100, là, à l'image. Henrik Stihl, qui a devant lui Gabriele Piana. Ils viennent tous les deux de passer devant Max Kronberg, pilote amateur de la Porsche jaune fluo, équipier de Finn Zinloff, et qui vient de se faire passer coup sur coup. Robert Consani, attaqué à l'instant par Josh Miller, le jeune pilote britannique. Allez, ça ne passe pas pour Josh Miller, quoique il insiste sur Robert Consani qui ne va pas prendre tous les risques, il est hors des limites de la piste. Attention, hein, la régularité d'un championnat, on sait à quel point elle est importante, on sait à quel point c'est ce qui avait manqué l'an dernier à Robert Consani, à Benjamin Lariche et au team Speedcar pour aller chercher le titre. Josh Miller, 18 ans seulement, il est un peu chaud, Josh Miller, c'est sûr. Lui que l'on voit évoluer aussi dans le cadre du championnat de France FFSAGT avec cet Aston de l'équipe Mirage Racing. Il était monté sur le podium GT4 en British GT il y a 2 ans. Il avait été avec Jamie Day le plus jeune équipage vainqueur en British GT. C'était en 2022. À l'âge de 16 ans seulement. Il en a 18 désormais. Josh Miller, et regardez devant Étienne Chély qui parvient à facilement creuser l'écart par rapport à Thomas Lebon. Thomas Lebon, probablement d'ailleurs. L-E-B-O-N. Vous m'excuserez si la prononciation anglaise n'est pas tout à fait la bonne, mais je pense qu'on doit effectivement dire Lebon en l'occurrence. Thomas Lebon, donc, sur la McLaren Artura, numéro 78, en deuxième position. 4 secondes 8 de retard désormais. Raphaël Rennhofer, l'Autrichien, troisième à 6 secondes 5. Alex Papadopoulos, le pilote américain. Quand on vous dit que le GT4 Europe est un championnat qui est suivi partout dans le monde. Laurent Hurgon, là, qui est avec l'Alpine numéro 24, qui clignote parce que c'est le leader. Ça clignote rouge et il est le leader de la Am Cup, raison pour laquelle le numéro est en rouge en haut du pare-brise. Hurgon qui vient de gagner une place. Là, Félix Jiménez derrière lui, pas juste derrière, mais un peu plus loin avec l'Aston que l'on voit ici. Kevin Jiménez qui pourrait récupérer en fait le leadership dans la catégorie AM si le temps de pit stop
était insuffisant. Et quand on regarde le temps entre l'entrée et la sortie de la voie des stands pour la numéro 55, on peut effectivement avoir quelques inquiétudes. Il est passé devant Lucas Meyer également avec l'Alpine Code Racing Développement. La numéro 36, il a relayé Nelson Pancetici. On vient de le voir passer. Voilà, Lucas Meyer à l'image. Et puis derrière, regardez pour ses débuts dans la catégorie Pro-A, mais dans le championnat GT4, Cindy Gudet sur la Toyota que l'on a ici à l'image, la voiture de l'équipe Matmut Evolution. Cindy Gudet, elle est troisième pour le moment en Pro-A. Troisième en Pro-A pour la sextuple championne de France de la montagne qui est attaquée ici. Cindy par Jamie Day, et elle va laisser passer le jeune pilote britannique qui était, on vous en parlait il y a quelques instants, de Jamie Day, puisqu'il était avec Josh Miller, l'autre pilote de l'équipage le plus jeune de l'histoire du British GT. Ici, attention également avec une des Gabriele Piana avec la BMW de l'équipe Borussia Automotive Motorsport, le jeune italien, enfin le nom, le moins jeune italien, l'expérimenté italien Gabriele Piana, champion, ancien champion de la DAC GT4, champion du GT4 Europe l'an dernier. Regardez comme on est proche là avec Gabriele Piana au coude à coude face à Henrik Stihl sur l'Aston Martin Vantage numéro 100. C'est Gabriele Piana qui pour l'instant a l'avantage. Gabriele Piana, il est engagé en Silver Cup. J'ai l'impression qu'Henrik Stihl est bien bien chaud. Henrik Stihl que l'on voyait auparavant sur une Porsche 718 Cayman GT4 RS Club Sport. Il est passé sur l'Aston Martin Vantage orange de l'équipe Pro Sport. Il y a eu un contact entre la 66 et la 12. 66, c'est donc la voiture de Cindy Gudet. La 12, celle de Gabriele Piana. Contact au niveau du virage numéro 12. Cindy Gudet qui va être attaqué de nouveau par Gabriele Piana qui va venir lui faire l'intérieur ici au freinage à chicane nord. Attention ! Et Cindy Gudet qui était elle-même à l'intérieur de Lucas Meyer. Ils ont failli se toucher. C'est passé pour Gabriele Piana. Et Lucas Meyer a tiré tout droit. Et heureusement, et on se réjouit ici dans le clan Borussia Automotive Motorsport de la remontée de Gabriele Piana. On avait vu l'an dernier à plusieurs reprises à quel point cette BMW est particulièrement rapide en deuxième partie de course, notamment avec une gestion des pneumatiques qui semble particulièrement bonne sur cette voiture. Là, Robert Consani qui double l'autre voiture de l'équipe Speedcar, la voiture sœur. Par Philippe Talamy et Julien Ripert. Etienne Chély qui est passé sur la ligne, il a une large avance. Derrière, on a Robert Consani en lutte avec Josh Miller qui est passé de... Non, c'est pas Josh Miller, pardon, c'est l'autre, c'est la numéro 7. Ah, il est en difficulté, Alexander Weintraub, le leader du classement Pro-Am qui vient de se faire passer par Robert Consani et Josh Miller. Alors, c'est vrai qu'il est en Pro-Am, il n'est pas en Silver, Alexander Weintraub. Et derrière, on a Antoine Leclerc avec l'Alpine. Là aussi, on a une voiture dont on sait qu'elle gère particulièrement bien les pneus, notamment grâce à un point inférieur. L'Alpine, donc, de l'équipe Code Racing Développement en pleine remontée avec Antoine Leclerc. Désormais engagé en catégorie Silver Cup, Antoine Leclerc. La catégorie des pilotes semi-professionnels ou jeunes professionnels, traditionnellement. Ancien pilote Bentley en GT3, notamment Antoine Leclerc. Coach en pilotage aussi aujourd'hui. Et on continue d'avoir des secondes de pénalité qui vont tomber pour certaines voitures au niveau des limites de la piste. Difficile de toutes vous les donner pour le moment, mais apparemment Alexandre Papadopoulos serait l'un des pilotes qui aurait ses pénalités. On surveille d'ailleurs puisqu'on a des pénalités qui tombent à l'écran maintenant. La 13 va avoir une pénalité de 5 secondes, la 46, la 75.
Il va falloir attendre d'avoir le classement final pour vous le confirmer, tellement il y aura des pénalités à appliquer après le drapeau à damier. L'une des Porsche est celle de Jean-Laurent Navarro, vainqueur en Am Cup la semaine dernière à Nogaro de la course 2 du championnat de France, et qui dispute également le championnat d'Europe, non pas en Am Cup mais en Pro-Am, puisqu'il fait équipe avec Julien Brichet, le patron pilote de cette équipe GSB Compétition. Regardez l'écart entre Enzo Joulier et Etienne Chély, la Toyota qui s'est souvent montrée performante ici sur le circuit Paul Ricard. On se souvient du succès d'Olivier Panis et d'Aurélien Panis en championnat de France il y a quelques années de cela, 2020 d'ailleurs si je ne me trompe pas. Et c'est Toyota GR Supra GD4 version Evo désormais qui caracole en tête, 4 secondes 7 d'avance pour Etienne Chély sur Thomas Libon. Raphaël Renhofer est à 6 secondes 4, ce sont tous des concurrents qui sont engagés dans la Silver Cup. Toyota devant McLaren, devant Aston, devant Mercedes avec Alexandre Papadopoulos, devant Audi, 5 marques différentes aux 5 premières places. La première Alpine est en 7e position, la première BMW est 10e, 7 marques différentes dans le top 10. Preuve de l'équilibre. Et pour répondre à une des questions de nos auditeurs un peu plus tôt dans le chat qui nous demandait quelle est la meilleure voiture en GT4, eh bien, il n'y a pas de réponse. Finalement, il n'y a pas de réponse quand on voit que la lutte ici, et à quel point la lutte justement est serrée. Henrik Stil là à l'image avec cet Aston numéro 100. Qui est 11e du classement général et 10e de la Silver Cup. Silver Cup qui est devenue la catégorie où, en général, le fait d'avoir deux pilotes semi-professionnels, ça donne un duo qui est plus rapide que d'avoir un professionnel et un amateur. Alors justement, en Pro-Am, c'est Alexander Weintraub qui est toujours en tête. Lucas Meyer est en deuxième position après la petite touchette ou presque avec Cindy Gudet. Et Max Kronberg qui est à la troisième position. Est-ce que l'on va retrouver le duo féminin composé de Gabriella Gilkova et de Cindy Gudet sur le podium de la catégorie Pro-Am? C'est tout à fait possible. Il reste 13 minutes dans cette épreuve. Et Cindy Gudet qui est soutenue par toute la communauté course de côte, je pense. Une pénalité pour la numéro 55. 11 secondes de pénalité pour la numéro 55 pour avoir eu un pit stop trop court. C'est donc la voiture de l'équipe Schumacher CLRT, l'Alpine de Laurent Hurgon et de Pascal Huteau. Pascal Huteau avait pris le départ, Laurent Hurgon est au volant pour l'instant. Cette voiture qui a dominé la catégorie AM depuis le départ et qui va recevoir une pénalité de 11 secondes. Une seconde non respectée lors du pit stop qui a été trop court et 10 secondes. Donc en fait, on a les 10 secondes plus la seconde qui fait la différence avec le temps minimum. Et ça va leur coûter la victoire dans la catégorie AM parce que Kevin Jimenez est à moins de 11 secondes pour le moment. On retourne là sur ces très belles images de Gabriele Piana qui est passé devant Jamie Day. Il vient de gagner une place encore, Gabriele Piana, le champion d'Europe en titre dans la Silver Cup avec cette BMW de Borisan Automotive Motorsport. Il est particulièrement rapide pour l'instant, Gabriele Piana, qui tourne en 2.14.4, soit dans les temps du leader Etienne Chély. Et on vient d'avoir un excellent 2.13.6 pour Antoine Leclerc. Superbe chrono d'Antoine Leclerc sur l'Alpine. C'est le plus rapide en piste pour le moment. Avec cette Alpine qui s'allège en termes de carburant et qui a bien géré les pneus. On connaît aussi le talent d'Antoine Leclerc et il est là donc en 6e position. Antoine Leclerc qui est revenu derrière Robert Consagny. Lutte entre Français. Beaucoup, beaucoup de tricolores dans ce championnat d'Europe GT4 donc. Les voici d'ailleurs. Voici la lutte entre Robert Consagny et Antoine Leclerc qui vient de réaliser, on vous le disait, son meilleur chrono personnel en 2.13.6. Oui, il y a une touchette avec, c'est, je pense, Raphaël Renhofer. Raphaël Renhofer qui est en 3e position. L'Aston numéro 99
de l'équipe Pro Sport. Il était troisième, le jeune autrichien de 17 ans. Et la suspension est cassée pour Renhofer. Suspension avant gauche cassée. Il va essayer de revenir dans la voie des stands, mais c'est peine perdue en termes de résultats. En tout cas, il se fait déborder par tout le monde. Maintenant, c'est Alexandre Papadopoulos qui va récupérer dès lors la troisième place avec la Mercedes du NM Racing et la Aston numéro 39 également. GPA du Brésilien Roberto Faria qui est arrêté. Ça se passe dans le double droite du Bosset aussi. Il va repartir le Brésilien. Il était 23e lors du dernier passage sur la ligne, Roberto Faria. Et de nouveau, drapeau vert présenté et feu vert en bord de piste. On retourne sur la lutte entre Robert Consagny et Antoine Leclerc. C'est désormais la lutte pour la 4e place suite à l'abandon de Raphaël Renhofer. Et regarde Antoine Leclerc qui a peut-être la chance avec cette Alpine un peu plus légère de venir retarder un peu son freinage avant d'aborder la chicane nord face à Robert Consagny. Et regardez, il doit défendre sa place, Robert Consagny, il le sait, l'attaque, non, d'Antoine Leclerc qui essaie de mettre la pression. Mais pour le moment, superbe défense, il évite toute erreur surtout. Oh non, Antoine Leclerc, ça sert à rien, hein. Il ne faut pas aller au contact comme il vient de le faire ici parce qu'on est en début de saison, il faut marquer des points avant tout. Il a voulu mettre la pression sur Robert Consagny, ça va permettre à Josh Miller de revenir derrière et regarder l'abandon. L'abandon, suspension avant gauche, cassé malheureusement pour Raphaël Renhofer, alors qu'il allait en tant que débutant dans le cadre du GT4 Europe, peut-être pour voir, on l'avait vu en ADAC GT4 l'an dernier, donc le championnat allemand, il allait pouvoir goûter au podium dès sa première course. Nouvelle attaque, la pression encore d'Antoine Leclerc sur Robert Consagny, il va pouvoir essayer de nouveau. Antoine Leclerc, peut-être ici au virage du pont. Robert Consagny qui reste sur une trajectoire qui n'est peut-être pas la trajectoire naturelle, mais il défend sa place. Regardez, il vient freiner en milieu de piste. Antoine Leclerc qui a choisi d'ouvrir la trajectoire pour essayer de ressortir, de remettre les roues droites plus vite. Il va se mettre à côté de Robert Consagny, direction le S de la Verrerie. Robert Consagny sur la ligne intérieure. Il est passé, Antoine Leclerc, il est passé. Superbe manœuvre à la sortie du virage du pont. Trajectoire différente, il a pu croiser, avoir une meilleure traction, une meilleure sortie et prendre l'avantage. Antoine Leclerc qui est plus rapide que Robert Consagny et qui reprend ici la 4e position. Alors maintenant, il a 6 secondes de retard sur l'Américain Alexandre Papadopoulos. Ça va être difficile, hein, je pense, d'aller chercher Alexandre Papadopoulos. Qui sait, néanmoins, en cette fin de course, ce qu'il pourrait se passer. Pour Robert Consagny, avec la dégradation des pneumatiques. On se souvient, il en avait lui-même parlé d'ailleurs sur la grille départ au micro d'Antonia Rankin où il disait il faudra voir l'état des pneus en fin de course. Là, Robert Consagny, il va être attaqué par Josh Miller. Il est tombé en 5e position. Ce sont des points hein, néanmoins pour le championnat. Toyota McLaren, Mercedes Alpine Audi, Aston, BMW, 7 marques différentes aux 7 premières places. Il manque Lotus, il manque dans ce top 10, mais on n'en a que 2 et elles ne sont pas forcément les mieux pilotées. La première Ford est 15e et Porsche, la première Porsche est en 12e position. Pour le reste, quel équilibre, vraiment chapeau bas pour cette super balance de performance. Il suffit de regarder le classement pour se rendre compte avec, on le disait, 7 marques différentes aux 7 premières places, que ce sont avant tout les équipes et les pilotes qui doivent faire la différence dans ce championnat GT4 Europe et dans cette catégorie GT4 au sens large. Et entre-temps, du côté de la catégorie, Roam Alexander Ventrub, alors on a des pénalités qui continuent de tomber, des final warning également. Pénalité pour la numéro 5, pénalité pour la 77. Je ne vais même pas tout regarder, j'espère qu'on va les appliquer assez rapidement. On n'a pas tout compté. La numéro 20 va prendre une pénalité de 5 secondes également.
la numéro 20 de Denis Bulatov et de Lucas Meyer, engagé en pro-am. Et ça veut dire que pour l'instant, pour sa première course en GD4 Europe, Cindy Gudet est en troisième position. Avec la Toyota que l'on a là à l'image d'ailleurs. Et la Porsche jaune devant elle, c'est Max Kronberg. Qui est deuxième en pro-am. Elle pourrait même aller chercher la médaille d'argent dans cette catégorie pro-am, Cindy Gudet. Disait sextuple championne de France de la montagne dans le classement féminin donc du championnat de France de la montagne. On l'a vu en rallye l'an dernier. Elle était, elle avait comme Sarah Rumeau d'ailleurs bénéficié d'une aide de la Fédération française du sport automobile. Sarah Rumeau qui est aujourd'hui soutenue par les Iron Dames en rallye pour rouler sur une Ford Fiesta Rally 2 dans le championnat de France des rallyes terre et rallye asphalte d'ailleurs. La promotion du sport automobile auprès des femmes au sens large est de plus en plus présente et on ne peut que s'en réjouir évidemment de retrouver, comme c'est le cas, de plus en plus de filles, de jeunes femmes qui sont présentes, ou de femmes tout court d'ailleurs, qui sont présentes dans ces compétitions. Troisième place dans le championnat de France Pro-Am l'an dernier de Gabriela Gilkova et de Lucille Cipriano qui avait donné envie à Matmut, partenaire de l'équipe Matmut Evolution, de poursuivre l'aventure avec Gabriela Gilkova et désormais avec Cindy Gudet dans le cadre du championnat européen. Et ça pourrait se conclure avec un premier podium dans la catégorie Pro-Am, une troisième position peut-être dans la catégorie Am. Laurent Hurgon est en tête, Laurent Hurgon, et il a désormais plus de 10 secondes d'avance sur Kevin Jiménez. Il pourrait conserver le leadership, Laurent Hurgon et Pascal Hutto, malgré la pénalité pour un pit stop un peu trop court. Il pourrait rester leader donc sur cette Alpine de l'équipe Schumacher CLRT, une équipe Schumacher CLRT qu'on retrouvera également avec une Porsche 900 GT3R dans le cadre, et même deux dans le cadre du Fanatec GT World Challenge Europe. Qui est engagé enfin, tout du côté de la catégorie sprint, hein, si je me souviens bien. On est en début de saison encore, hein. On doit bien recaler toutes les cases, les nouveaux pilotes, les nouvelles équipes, les nouvelles voitures. C'est ce qui est passionnant aussi avec une saison comme celle-ci. Regardez comment Antoine Leclerc a fondu sur Alexandre Papadopoulos. On vous avait dit que l'écart était de plus de 6 secondes, ça allait être compliqué. Et bien il est en train de revenir. Il est en train de revenir sur Alexandre Papadopoulos. Antoine Leclerc va-t-il pouvoir aller chercher une place sur le podium de 13.6 pour Alexandre, de 15.3 pardon pour Alexandre, de 13.6 pour Antoine, c'est-à-dire 1 seconde 7. Oui, c'est possible, hein, c'est possible pour Antoine Leclerc, c'est possible d'aller chercher cette place sur le podium pour débuter la saison. Attention de ne pas prendre tous les risques non plus, parce qu'il faut prendre des points avant tout, mais évidemment si on peut en prendre des gros points, on ne va pas se priver. Et on a les Aston Martin Vantage avec, regardez, l'aileron arrière qui est légèrement différent entre la nouvelle génération. L'aileron, je vous laisse un petit peu plus bas, un peu plus arrondi. Faut vraiment être très attentif pour le remarquer, mais ils sont un peu différents, effectivement. Donc les deux Aston ici de Jamie Day et d'Henrik Steel en lutte pour la 8e place du classement général. 8e aussi du côté de la Silver Cup. En pro-am, c'est toujours Alexander Weintraub qui est en tête. Max Kronberg en 2e position. Cindy Gudet est 3e. Donc en pro-am, on a une Aston devant une Porsche, devant une Toyota. Une Mercedes 4e avec Lucas Meyer et Denis Bulatov. Une Porsche, celle du AV Racing, en 5e position. C'est la numéro 75. Voiture pilotée par Noam Abramczyk et Paul Petit.
Josh Miller qui essaye de revenir sur Robert Consani, toujours en cinquième position. L'écart entre Alexandre Papadopoulos et Antoine Leclerc. Et bien voilà, on y revient justement sur cette bagarre pour la troisième position. L'écart est d'une seconde et demie désormais. Et on est rentré dans le dernier tour. C'est maintenant que va se jouer la troisième place. Étienne Chély, Enzo Joulier, parti depuis la pole position. Et au micro d'Antonia Renkin, il nous avait dit, Enzo Joulier, la stratégie, elle est simple. C'est de rouler devant, c'est de partir, c'est de s'échapper. On ne va pas réfléchir. Et bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Une course menée de bout en bout pour la Toyota numéro 9 de l'équipe Matmut Evolution. Et derrière, on se bat jusqu'au bout avec notamment... Oh, et un accrochage avec Jean-Laurent Navarro, avec Raphaël Martinez et avec une autre Porsche. Je n'ai pas bien vu laquelle. Alors, ça, c'était dans la première partie du circuit. Dans la dernière partie du circuit, voilà la voiture qui va s'imposer. Étienne Chély, Enzo Joulier, la pole position, la victoire. Il n'y aura pas de meilleur tour en course, mais c'était pratiquement un grand chelem à cette exception-là. Vainqueur, donc, Matmut Evolution. Deuxième place pour ceux qui ont réalisé le meilleur tour en course, Georges Ratican et Thomas Libon. Et puis, regardez, pour la troisième position, il aura manqué un tour. Antoine Leclerc, Luc Ibanez et Alexandre Papadopoulos. Sauf de justesse la troisième place face à l'Alpine Code Racing Développement d'Antoine Leclerc. Et de... Nelson Franciatici, pardon, qui avait pris le départ sur cette voiture numéro 36. Cinquième place pour Benjamin Larich et Robert Consani. La sixième pour Ruben Delsart et Josh Miller sur l'Aston numéro 5 du Mirage Racing. Septième place pour Berke Bessler et pour Gabriel Ipiana, le champion d'Europe en titre sur la BMW numéro 12 de Borussia Automotive Motorsport, dans une catégorie Silver Cup ô combien importante, puisqu'il y a 25 voitures. Huitième place pour l'Aston numéro 82, qui est la voiture de Matteo Villagomez et de Jamie Day, engagé par Racing Spirit of Le Mans. Neuvième position pour une autre Aston, la numéro 100 d'Henrik Stihl et de Fabio Rohr. Et puis on retrouve en dixième position la numéro 11, l'autre BMW de Borussia Automotive Motorsport, avec Yagiz Gedik et Pedro Carvalho Ibrahim. Dans la catégorie programme, victoire de la numéro 7, c'est la voiture de Stanislav Safronov et d'Alexander Ventrub, voiture de l'équipe Mirage Racing, donc qui s'impose. C'est la nouvelle Aston Martin Vantage GT4, lauréate en programme devant Max Kronberg sur la numéro 30. On va revoir ici ce qu'il s'était passé. C'est pas une Porsche, pardon, c'est l'Aston GPA qui est là, celle de Kevin Jimenez, qui était en lutte ici avec la Porsche de Jean-Laurent Navarro. Alors, on ne s'est pas laissé beaucoup de place de ce côté-là. Kevin Jimenez sur la GPA qui plonge. Jean-Laurent Navarro qui revient, qui perd la voiture et qui va repasser en fait devant. Et derrière, on percute avec Raphaël Martinez. Oui, regardez les contacts multiples là-bas. Et malheureusement, oui, Kevin Jimenez, il a pu sauver la deuxième place malgré tout. J'ai eu peur pour eux, mais il termine deuxième de la catégorie A. Mais puis derrière, les dégâts... important sur la... Et c'est pas Raphaël Martinez, pardon, c'est l'autre voiture aux couleurs du Rafa Racing Team, celle de Gemina Hepworth, une jeune pilote britannique, et de Cameron Lawrence, qui était impliqué dans le contact, là, la voiture numéro 81, aux mêmes couleurs que la 312, mais c'est celle qui est engagée, cette 81, dans la catégorie Silver Cup. Victoire donc d'Étienne Chély et d'Enzo Joulier, les champions de France Silver Cup, débutent on ne peut mieux leur compétition européenne avec ce premier succès d'emblée pour l'équipe Matmut Evolution. Deuxième place pour la 78 de Josh Ratican et de Thomas Libon. Troisième position pour Luc Ibanez et Alexandre Papadopoulos. Au niveau des marques, on vous l'a dit, la variété est de mise. Sept marques différentes aux sept premières places. Toyota devant McLaren, devant Mercedes-AMG. Alpine en quatrième position. Audi avec Robert Consani et Benjamin Larich, cinquième. Aston Martin avec Ruben Delsart et Josh Miller, sixième. BMW avec Berke Bessler et Gabriel Ipiana en septième position. Et puis on a de nouveau Aston avec la 82 de Racing Spirit of Le Mans, avec Jamie Day qui est donc l'Aston nouvelle génération, celle-là. Donc on a même 8 voitures différentes en fait. On a 2 Aston mais de 2 générations différentes. Donc 8 voitures différentes aux 8 premières positions.
La première poche, c'est celle de Nikolaj Møller-Madsen en 12e position, la 91 du Wimmerwerk Motorsport, équipe autrichienne. Nikolaj Møller-Madsen et Ivan Ekelchik en sont les pilotes. Et puis, du côté de la catégorie Pro-Am, donc victoire de Stanislav Safronov et Alexander Weintraub devant Max Kronberg et Finn Zulhoff. Et troisième position pour sa première course en GT4 Europe pour Cindy Gudet, associée à Gabriela Žilková. Superbe début dans ce championnat. Bravo Cindy, bravo Gabriela, dont on connaît la pointe de vitesse en GT4 depuis longtemps déjà. Mais là, Cindy Gudet n'a clairement pas manqué ses débuts. Chapeau à elle, elle va donc monter sur le podium. Dans la catégorie AM, victoire française avec l'équipe Schumacher CLRT et la victoire malgré la pénalité de Laurent Hurgon et de Pascal Hutto sur l'Alpine numéro 55. Deuxième position, Kevin Jiménez et Florent Grisot avec l'Aston GPA Racing dans la catégorie AM. Et puis troisième place, décidément, on aura un podium 100% français. Troisième place pour Adrien Pavio et Nicolas Markiewicz sur l'Audi numéro 300 de l'équipe Speedcar que l'on aperçoit d'abord là derrière. D'ailleurs, Adrien Pavio, on le salue, notre confrère Adrien. Et bravo à Nicolas Markiewicz également pour leur début en GT4 Europe sur cette Audi R8 LMS GT4 de l'équipe Speedcar. Ce sera directement un podium dans la catégorie AM pour Adrien Pavio et Nicolas Markiewicz. Chapeau à eux également. Quelle course, en tout cas, quel début de saison dans ce championnat. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense pour la victoire dans la catégorie Silver. Pour le reste, par contre, voilà, Thomas Libon, félicité par Josh Ratikan. Ce sont de jeunes pilotes britanniques. On en reparlera avec cette équipe élite et des points importants dans le cadre du championnat. Alors, on a eu l'application de pas mal de pénalités. Impossible de vous dire toutes les voitures qui ont été affectées. Et on va retrouver dans quelques instants, voilà, les vainqueurs à l'interview avec Antonia Henkin. What a dominant display from both of you. You both really held your own. Une dominance totale de tous les deux. Vous avez dominé la course. Vous vous sentez comment? It's unbelievable. Ouais, c'est juste incroyable. Pole position, victory. Première course, la pole position, la victoire. Ça ne peut pas être mieux, évidemment. We could not start better than that. Et on ne pouvait pas mieux commencer que ça, effectivement. On est très heureux. Merci à l'équipe Matmut Evolution et l'équipe Enzo qui a fait un super boulot lors du premier relais. C'était fantastique. Ouais, c'était une belle manière de débuter la saison. Beau boulot, effectivement, c'est ce que l'on dit. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment bien fait ça. Nos champions de France Silver 2023 sont donc les premiers leaders du championnat d'Europe également. C'est le même Silver Cup, donc chapeau à eux. Et on va retrouver les vainqueurs Pro-Am. Congratulations guys, you really held your own out there today. Thank you so much. Thank you so much. Merci, merci. We did our best, even though on a fait notre mieux. C'était pas facile à la fin, nous dit Alexander Weintraub. C'est la première course avec l'Aston et on est plutôt content. Thanks to the team for the car, everything was great. Merci à l'équipe pour la voiture, c'était juste fantastique, nous disent Alexander Weintraub et Stanislav Safronov. Alors quand ils disent c'est la première course en Aston, c'est pas tout à fait vrai puisqu'ils étaient la semaine dernière à Nogaro, première course européenne, oui, mais ils étaient à Nogaro dans le cadre du championnat de France avec cette équipe française, donc le Mirage Racing. En Pro-Am. Et donc on a que des équipes françaises en fait qui s'imposent. Matmut Evolution en Silver, Mirage Racing dans la catégorie Pro-Am et puis en Am, Laurent Hurgon et Pascal Hutto pour l'équipe Schumacher CLRT, on les écoute. Guys, what a way to start the season. You must Quelle be thrilled. Quelle belle manière de débuter la saison, vous devez être content. Oui, effectivement, ça a été une très bonne course pour nous. Ça a été difficile parce que on a eu une pénalité durant le pit stop. Après ça, on devait augmenter notre écart en piste. On est très, très content. En tout cas, c'était très amusant. C'était une belle bagarre aussi avec les autres concurrents. Donc, oui, je suis très content. Et Pascal a fait un super relais aussi. Laurent, he's a very good job. Very, very good job. Well, congratulations, guys. Thank you. Voilà, on les salue. Laurent Hurgon, Pascal Hutto, ils ont tous les deux en commun d'avoir été champions de France dans la catégorie 1. Pas ensemble, hein, Pascal Hutto avait été champion avec Christophe Hamon sur le Audi Full Motorsport il y a deux ans.
3 ans maintenant, puisqu'il s'était en 2021. Et de son côté, Laurent Hugon est champion en titre de la AM Cup en championnat de France et PVSAGT en compagnie d'Alain Ferté. Voilà cette Alpine de l'équipe Schumacher CLST qui est donc le nouveau nom d'Autosport GP. Bravo à Gilles Zaffini et à ses hommes également pour cette victoire dans la catégorie AM avec Karl Lovers, hein, le groupe automobile. Edouard Schumacher, voilà les vainqueurs du classement général, même si ça ne change rien au niveau des points. Enzo Joulier et Etienne Chély, les Français. Enzo Joulier qui roule avec une licence d'Andorre, de la principauté d'Andorre, comme Jules Goudon. Derrière, on a deux Britanniques, Josh Radican, Thomas Libon, Luc Ibanez et l'Américain Alexandre Papadopoulos sont en troisième position. Des Français dans le top 5 avec Nelson Ponchatichi et Antoine Leclerc sur l'Alpine Code Racing Développement devant Benjamin Lariche et Robert Consani, les vice-champions 2023 sur l'Audi Speedcar qui repartent et qui vont marquer les points de la 5e place. Berke Bessler et Gabriel Pienal, champion de l'an dernier, ils répondent présents également. 6e, c'est la première des BMW, Matteo Villagomez et Jamie Day sur la première Aston sont 7e. Ils ont donc récupéré cette position après la pénalité infligée à la numéro 5. Et puis dans la catégorie AM, on l'avait vu sur la page précédente, donc Pascal Hutto, Laurent Hugon. Deuxième place en AM pour Kevin Jiménez. Et donc c'est la couleur rose, couleur saumon. Et on voit le départ de cette course avec Enzo Joulier en pole position sur la Toyota Matmut Evolution. Un départ absolument parfait pour le pilote de la Toyota qui emmène derrière lui Josh Radican et Hugo Sass. Un moment au coude à coude. Attention avec un accrochage derrière qui causera malheureusement l'abandon de l'Alpine Chazelle Technologies course de Lorenz Lessertois, le champion de l'Alpine Elf Europa Cup et actuel leader du championnat de France en silver, n'ira pas plus loin que le premier virage. La lutte est lancée. Nelson Ponchatichi notamment sur l'Alpine Code Racing Développement que l'on voit ici en lutte avec une Aston et puis avec Benjamin Lariche sur l'Audi numéro 3 du team Speedcar. Les pit stop, changement de pilote obligatoire entre la 25e et la 35e minute de course. Pas de ravitaillement, pas de changement de pneu non plus. Robert Consani qui repart et qui repart directement à l'attaque ici sur Lucas Mayer. Robert Consani qui va se retrouver aussi en lutte avec Josh Miller au volant de l'Aston numéro 5. L'Aston de l'équipe Mirage Racing. Et puis cet incident, malheureusement, alors qu'il semblait filer vers le podium, Raphaël Rennhofer, l'Autrichien, suspension avant gauche cassée. On n'a pas vu l'origine de cet incident, s'il y a eu un contact ou pas, mais malheureusement, c'est un abandon. Pas d'abandon par contre, mais le maximum de points, une pole, une victoire pour Enzo Joulier et Etienne Chély. La Toyota Matmut Evolution s'impose en Silver Cup. Et regardez, Cindy Gudet et Gabriela Zhilkova vont donc monter sur le podium pour la première course de Cindy dans le GT4 Europe. Chapeau à elle, mesdames. Troisième donc de la catégorie Pro-Am. Deuxième position dans la catégorie Pro-Am pour Finn Zulov et Max Kronberg avec la Porsche numéro 30 de WNS Motorsport. Et la victoire dans la catégorie Pro-Am revient à ceci, Stanislav Safronov, Alexander Weintraub et l'équipe Mirage Racing. Victoire un peu française, en tout cas du côté de l'équipe donc. Voilà, Stanislav et Alexander qui nous rejoignent. Les voici. Représentant du Mirage Racing également pour venir chercher le trophée remis au team. Et cette nouvelle caméra grand angle juste devant le podium qui va nous donner une vue. Et on va écouter la Marseillaise en l'honneur de l'équipe Mirage Racing. Bravo à Guillaume Briot et toute son équipe. Voilà donc pour ce premier podium Pro-Am de cette longue saison du GT4 Europe. On se retrouvera évidemment demain, c'est Paige Morales pour Development Driver du Rafa Racing Club pour remettre les trophées.
Voilà le jeune Finzilo et Henrik Stiel qui termine donc et Max Rönnberg pardon qui termine donc deuxième en programme. Max Rönnberg qui n'est plus justement avec Henrik Stiel et puis victoire donc de Stanislav Safronov et d'Alexander Weintraub. L'équipe Mirage Racing qui avait débuté à l'époque notamment par la midget puisqu'on aura la midget Italia dans quelques instants ici sur le circuit Paul Ricard. Et bien cette équipe continue de grandir, bravo à Guillaume Bruyot on le disait et puis bravo à l'équipe Mammut Evolution et bravo à Gabriela Gilkova et Cindy également, la sextuple championne de France de la montagne donc qui aura plus que réussi son entrée dans le grand bain du GT4 Europe avec d'emblée un premier podium et qui en appelle probablement beaucoup d'autres. Allez, champagne donc. Merci à vous. Premier champagne, premier podium de cette saison, c'était celui de la catégorie Pro-Am. Catégorie Pro-Am, dans un instant, un prochain podium, toujours en GT4. Alors, je pense qu'on va avoir le podium suivant qui devrait être le podium de la catégorie Silver, la Silver Cup donc. Classe Silver Cup, effectivement, pour ce qui sera donc le deuxième podium. Et on va accueillir sur la troisième marche de ce podium Alexandre Papadopoulos, le pilote américain, et Luc Ibanez, le pilote espagnol, avec cette Mercedes AMG GT4 donc du NM Racing sur le podium. Un équipage qui sera à suivre. Luc Ibanez avait été vice-champion avec Enzo Joulier il y a deux ans dans la Silver Cup. Il va retrouver Enzo Joulier sur le podium, mais ils ne seront pas sur la même marche cette fois, puisque l'on aura en deuxième position les jeunes pilotes britanniques Thomas Lebon et Josh Ratikan avec cette McLaren Artura numéro 78 engagée en Silver Cup. Et puis victoire, première victoire de la saison pour les champions de France FFSA GT Silver Cup, Enzo Joulier et Étienne Chély. Première course, première victoire, bravo à l'équipe Matmut Evolution, également l'équipe de dirigée notamment par Guillaume Andrieux, oui, je ne sais pas ce que c'est, mais oui, je crois que c'est ça. Guillaume Andrieux et l'équipe de Jérôme Polycan, évidemment. Et la victoire donc d'Étienne Chély, Enzo Joulier, duo gagnant en France, duo gagnant pour la première européenne. On verra si ça se confirme en fin d'année, mais ils font clairement partie des favoris pour aller chercher ce titre. Meilleur rookie catégorie Silver. Et on a également le meilleur rookie en Silver. Et en l'honneur de l'équipe gagnante du Matmut Evolution, l'hymne, on va de nouveau écouter une Marseillaise. Trois équipes françaises lauréates en GT4. C'est à nouveau Paige Morales, responsable du développement des pilotes au sein de la Racing Globe Ambassador, qui va récompenser bien évidemment cette course 1 donc du GT4 Europe qui se termine avec ce podium. On n'aura pas l'occasion de passer au podium A, mais on soulignera une fois encore la victoire de Pascal Hutto, de Laurent Hurgon et de leur Alpine de Schumacher. C'est l'RT, prochaine course pour le GT4 Europe, ce sera demain. On se retrouvera à 11h05 pour le direct donc d'une course qui sera lancée à 11h20. On compte sur vous pour la vivre avec nous. Bien évidemment, merci d'avoir été avec nous sur cette journée de samedi. Rendez-vous demain, les essais qualificatifs pour le Fanatec GT à partir de 9h40 et la course de GT4 à partir de 11h05. À demain.